Ici Jess Archambault. J'ai rencontré Amélie Beauchamp-Grandmaître qui a trouvé le guide idéal à travers l'organisme Achille Ottawa qui favorise la course pour les personnes avec un handicap visuel. Ils se préparent justement à courir leur demi-marathon. Le sport me donne l'opportunité d'interagir avec d'autres gens. Ça te donne aussi l'opportunité de t'amuser à l'extérieur. Mon nom est Amélie Beauchamp-Grandmaître. Je suis ici pour m'entraîner avec Raymond. À droite, doucement. Mon nom, c'est Raymond Héroux, puis je vais guider Amélie dans une course de pratique. Je cherchais quelque chose à faire entre deux sports que je faisais. J'avais environ un mois et demi de genre de pause. Quelqu'un m'a suggéré que j'essaye la course guidée parce qu'elle avait commencé à en faire. Et puis, il avait commencé un chapitre d'Achilles à Ottawa. Mon nom est Jason Dunkerley, je suis directeur d'Achilles Ottawa. Achilles Ottawa est dans à peu près de 70 pays. Il s'agit des athlètes de tous genres d'handicap, mais ici, avec notre groupe, nous sommes des athlètes non-voyants. Les courses d'entraînement, en général, je pense qu'ils se passent bien. Bon. Raymond va utiliser les directions verbales. Mais s'il y a besoin, il pourrait tirer sur la corde pour me faire arrêter ou bien pour me rendre vers lui ou me pousser. C'est important de toujours avoir des choses pour se motiver. Puis Amélie me motive. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Puis, ben moi, ça m'aide. Ça m'aide à m'encourager, ça m'aide à dire à cette voix-là de se taire. Puis non, j'abandonnerai pas. Bump. Bump. C'est quelque chose que je fais à l'année longue. Ça aide à passer le temps. Puis, si tu fais une grosse gang d'amis, tout dépendant de la journée, tu te sens comme si tu as accompli quelque chose. Je pense à qu'est-ce qu'il y a en dessous de mes pieds, qu'est-ce que j'entends. Les choses que je peux voir, s'il y a quelque chose d'intéressant. Des fois, on va arrêter pour que je puisse en explorer un petit peu plus. Il faut absolument que je comprenne ce qui peut potentiellement lui faire mal, penser pour elle, puis ça va être étrange de dire, mais voir le monde à travers d'elle. Pour plus d'informations ou pour vous joindre au groupe de course, visitez le site web achilleottawa.ca.